qu'il y a une information extérieure au monde fermé scientifique en particulier, et que cette information extérieure, il l'appelle l'esprit. On se pose ici la question, en fait, qu'est-ce que la conscience ? Or, ce congrès, Marion, vous l'avez ouvert comme une nouvelle approche du vivant pour synchroniser corps et esprit. Je ne peux pas m'empêcher, étant un ancien chercheur, d'être à la fois entre la science et l'ésotérisme. Donc, il faut mettre le dedans dehors. L'expérience.